Hey yo, c'est Skullchipbits, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter les 15 meilleurs presets de Nexus. Alors j'avais déjà fait les 15 meilleurs presets d'Omnisphere, la vidéo avait plutôt bien marché, du coup j'ai essayé de le refaire. Alors bien sûr ça va être les 15 meilleurs presets selon moi, voilà c'est un classement personnel donc ça reste très subjectif. Voilà, comme d'habitude avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça me soutiendrait énormément. On est bientôt aux 30 000 abonnés, je répète, je vais balancer un drum kit gratuit aux 30 000 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner et on est parti pour la vidéo. Alors premier preset, ça va être très connu, je vais commencer par les plus connus, un peu comme ce que j'avais fait sur Omnisphere. Ça va être le Nexus Grand Piano Soft, voilà, qui sonne comme ça. C'est un piano en fait qui est très bien, assez polyvalent, et moi j'utilise énormément, peu importe le style de prod, parfois dans les prods trap, parfois dans des prods lo-fi, des prods qui n'ont rien à voir. Et je crois que c'est un piano qui était déjà dans Nexus 2, mais là ils l'ont remis, et le soft... Moi j'ai quand même une petite préférence pour le soft. Alors deuxième preset, hardcore. Alors celui-ci je pense qu'il est quand même un peu moins connu. Ça sonne comme ça. Alors on dirait, là comme ça j'ai fait une note, on dirait que c'est nul, mais en fait j'ai utilisé honnêtement dans une prod, mais c'était vraiment un truc de fou, j'ai trop kiffé l'utiliser. Et ça sonne où? C'est un truc de malade, genre j'aime trop ce son et je trouve qu'il y a moyen de faire des trucs de fou même en rajoutant des effets. Voilà, après ouais, il y a peut-être moyen un peu de le modifier, mais le son même brut, je trouve qu'il sonne très très bien. Prochain preset, intro, Atmo. Alors celui-ci, il est un petit peu différent, c'est un Atmosphère. D'ailleurs, j'ai pas précisé en début de vidéo, mais moi j'ai la version de Nexus, je crois c'est celle qui coûte 500-600 €. Donc il y a plusieurs versions avec différents packs, etc. Donc peut-être que vous n'avez pas forcément les packs, je vais essayer de préciser. La plupart des sons que j'utilise là, ils sont dans le pack ROM extension 2, je crois, je sais plus si c'est le 2 ou le 1, mais un de ces deux packs là. Voilà, trois quarts de mes sons sont là-dedans parce que voilà, il y a vraiment des très très bonnes sonorités dans ces packs. Ouais, voilà, donc là il vient du 2, donc le XP ROM extension 2, donc celui-ci. Pour ceux qui veulent savoir, je pense que je vais montrer à chaque fois. Et donc, ça, c'est un Atmosphère que j'ai trop aimé. Genre, ça, il y a moyen d'en faire une mélodie, il y a moyen de le mettre au début d'une prod. Ça donne une bonne ambiance, je trouve, à une instru, ça a un côté très sombre. Prochain son, c'est un pluck, je crois que ça va être le premier, c'est Lights. Alors celui-ci vient également du pack XP ROM extension 2 et ça sonne comme ça. Alors, donc les plucks, c'est un petit peu pour faire des petites mélodies qu'on vient ajouter à une prod. Ouais, il est vraiment, vraiment sympa. Alors le son d'après, c'est aussi un pluck. Et pareil, c'est une sonorité que j'aime bien. Après, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, on n'est pas forcément sur des sonorités très agressives. Il y en a qui arrivent un petit peu après dans la liste. Mais c'est un plug très sympa. Un petit peu, voilà, il est un peu noyé dans la reverb, mais on garde quand même un petit peu d'attaque. Et voilà, pour faire des petites mélos. Et ça sonne très très bien pour faire un peu du cloud rap, peut-être même la lofi, des délires comme ça. Alors, prochain son, c'est un piano qui vient aussi de XP ROM extension 2. C'est un piano, mais... il y a une texture en plus que j'aime bien sur celui-ci, c'est qu'il est un petit peu différent par exemple du piano soft qui est très classique. Il est à mi-chemin entre un piano classique et un électrique piano. C'est ça que j'aime bien, c'est une sorte de piano un peu hybride. Alors prochain preset, toujours dans les pianos, Bimui 1. Alors ça je trouve c'est un piano, vous allez voir comment il sonne. Hyper émotionnel, plutôt bien pour les instrus tristes. Il dégage vraiment quelque chose en fait. Prochain preset, je vais pas le chercher dans la barre tout simplement parce qu'il est plutôt simple à trouver. Enfin, pour moi, parce que j'ai cette version de Nexus, mais c'est le Tropical Marimba. Bon, je l'ai quand même liké, mais il est un petit peu tout seul dans sa catégorie. Et en fait, c'est un preset un petit peu pour les prods été. Pour tout ce qui est, je pense, ça peut bien passer dans les prods reggaeton. Parce que c'est un preset qui sonne un petit peu enfantin, un petit peu été, etc. Il y a moyen de faire des bonnes mélodies avec. Prochain preset, Rambo. Alors c'est un Vox normalement, mais en fait ça sonne plus comme une sorte d'instrument un peu japonais, c'est pour ça que j'aime bien, j'ai fait une prod énervée avec. Voilà, ce genre de mélodie un petit peu trap, un petit peu sombre, et c'est un preset, voilà, que normalement c'est censé être un Vox, mais je vois pas trop en quoi c'est un Vox, genre...
Ça sonne pas tellement comme un vox, je trouve que ça sonne plus comme un instrument. Et voilà, un des presets avec lequel il y a moyen de faire des instruments un petit peu énervés, dans le délire un peu japonais. Moi, je trouve que ça sonne comme un instrument japonais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prochain preset, c'est un synthé, mais plus une belle en réalité. Donc, c'est le preset Bells of Peace. Et d'ailleurs, j'ai oublié de montrer avant. C'est dans la banque XP Crank 2. Donc, ça, je crois que c'est une banque qu'il y avait dans Nexus 2 déjà, mais je suis pas sûr. Et bref, c'est une belle qui est plutôt sympa. Bon, c'est dans la catégorie synthé, mais c'est une belle. Voilà, donc ça c'est dans les un peu plus graves et ça sonne plutôt bien. Alors toujours dans les synthés convergence, alors celui-ci à l'inverse ça va moins bien sonner dans les graves, alors que dans les aigus ouais, ça sonne un petit peu comme un plug. Bon voilà, c'est un synthé donc. Un truc comme ça pourrait être pas mal, voilà, pour des mélodies sombres, pour des top mélodies, donc un petit synthé Convergence qui vient du pack XP ROM Extension One. Ok, on se retrouve quelques jours après le début de cette vidéo, simplement parce que j'ai pas pu terminer le tournage, donc je me suis dit que j'allais la faire en deux fois. Je crois qu'on s'était arrêté au 11e preset qui était Convergence, on va passer au 12e preset qui est tout simplement une flûte. Alors depuis le début du classement, il n'y en a pas énormément, j'en ai pas mis beaucoup, simplement parce que je trouve que les flûtes sur Nexus, c'est pas fou, contrairement, enfin en comparaison à d'autres VST qu'il y a, par exemple, bah, sur Contact, sur Omnisphere, j'ai des bien meilleurs presets de flûte, mais je me suis dit voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément ces VST, j'allais quand même en mettre dans le classement. Après, moi j'ai pas la version Nexus qui est la plus chère, donc ça se trouve il y a encore plein d'autres flûtes que j'ai pas forcément. Moi j'en ai que 17 et donc j'ai choisi la simple flûte, donc la flûte simple en fait, littéralement. Donc, voilà, ça sonne comme ça, ça sonne un peu comme un lead, mais au début il y a un petit peu d'attaque sur la première note. Ouais, il y a comme un petit bruit, un white noise. Ouais, donc c'est une flûte plutôt sympa, ça sonne un petit peu comme un lead. Alors après, comme vous pouvez voir, il y en a d'autres. Mais vous pouvez trouver bien mieux sur d'autres VST, que ce soit sur Contact, sur Purity également. C'est un VST voilà, qui est pas trop cher, sur lequel il y a beaucoup de presets de flûte plutôt sympa. Après voilà, il y a quand même quelques trucs sympas, mais comme je vous dis, j'ai pas la version la plus chère. Donc j'en ai pas énormément, et sur d'autres VST, vous pouvez en trouver quand même des beaucoup mieux. Prochain preset, Amped, qui est une basse qui peut être utilisée pour les prods club, les prods club sombre un petit peu. Voilà, donc ça sonne comme ça. Donc voilà, j'ai utilisé dans 2-3 prods et il y a vraiment moyen de faire des trucs hyper sympas. C'est un peu voilà, dès que je veux faire un son club, je pars sur cette basse dans Nexus. Voilà, donc Amped. Alors, juste un truc, j'ai failli oublier sur ce preset de base, il y a la reverb qui est activée. Bon, sur une basse, je trouvais c'est un peu bizarre qu'il l'ait laissé. Moi, en général, je préfère la désactiver et derrière venir remixer dans FL avec mes propres effets. Après, si vous voulez, vous pouvez la laisser, mais quand même, je la désactive. Prochain preset, Angels Harp. Alors, ça, c'est une harpe qui est tueuse, ça sonne comme ça. Il y a plein de petits effets derrière, des petits effets un peu d'ambiance, comme si c'était un peu féerique et tout. Il y a vraiment un petit délire, ils ont bien sous-designé le truc. Mais le prochain preset, il y a moyen de faire des choses un peu plus sombres. Ça va être Music Box 2. Alors là, il va être polyvalent, c'est-à-dire on peut faire des prods tranquilles. C'est-à-dire que ça, on peut faire soit des mélodies joyeuses, soit des mélodies plus sombres. C'est sombre. Mais dès que je vais partir plus dans les aigus, ça ressemble presque à une Céleste Belle un petit peu sur Xpand. Enfin, c'est un peu le même style de preset. Et donc voilà, c'est assez polyvalent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Ça me soutiendrait énormément. Et on se retrouve demain pour la prochaine. Salut !